Ou pral saisi tande action ambassade américaine, c'est la police nationale d'Haïti dans dossier zama munition. Yon lot bon, premier ministre Ariel Henry ak pays Canada met ensemble, yon flanqué haïtien, yon lot soufflette marasa. Ça pire toujours. Rete la mbral bo tout détail, tout information yon nan yon ti moment. Nan dossier zama munition illégale kap soti nan pays États-Unis pour rentrer en Haïti, finalement l'État américain prend position. Déjà, Mabdou prépare ti verre d'eau pour boire parce qu'on pral choqué, on pral présaisissement. Nous connaissons dans ça qui vient pour avec sécurité en Haïti, mais pas préoccupation gouvernement haïtien. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TAC 609 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous porter information, pour vous traiter information avec vous. Non souci pour rester connecté, pour qu'on ait qui décision autorité à prendre dans la République. Déjà, m'a dit un grand merci pour ce qu'on choisit nous pour nous informer ou rester connecté avec la plateforme. Ça n'a pas de prix. Je prends ça en cœur, je prends ça en considération. Merci en pile. En pile, m'a pas encouragé au fait de tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, toujours songer activer petite cloche notification pour être connecté. Chaque vidéo n'a bien pour poster ou pour là pour garder pour commenter pour partager pour nous et avec nous. Moi dis non, gros fanatique qui vient pour faire me fâcher hein. Il vient pour faire me fâcher parce que il était écrit pour te répondre et puis il dit madame ça toujours à peine pour zil. Faut moi dis non. Et toute fanatique mon éditorial avec Yannick, yo connaît ça très bien. Si gon moun ki genye proximité sou réseau yo avec fanatique li, m'pa di c'est seulement Yannick non ki genye proximité ça, mais si y a fond en liste, y a fait en liste 3, y a fond en liste 5, m'pa ka pala dal parce que moi-même m'konnen m'ap travail pour fanatique là, pour public là. Donc mon numéro qui disponible pour mon écrit, pour mon relais, pour nous parler politique, pour nous faire débat, donc c'est normal. Dès pour écrit, c'est sûr que vous avez une réponse. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça qui est arrivé que dans mon moment écrit, en tellement de messages. Pourquoi vous avez un message? Et vrai fanatique émission, vous connaissez. Si vous écrit mon message qui est important là, vous avez un message. Pourquoi vous connaissez rapide, vite, c'est sonné pour vous sonner. Pour vous aller dans votre plan, pour vous checker ou bien pour vous retourner un appel là, pour nous parler, pour vous connaître exactement qui problème qui est. Parce que moi là, ma travail pour nous, ma travail avec nous, c'est tout intérêt mien pour me disponible, pour me disposer, pour me connaître qui intention nous, qui ça cap traverser nous, etc. etc. Donc c'est pas imposer, mais poser. D'ailleurs, pas qu'on ignore les messages, qui compte par une question, distinction, catégorie, classe, mon en haut, mon en bas, et diaspora, diaspora non nord, et mon Saint-Domingue, mon Chili, mon Brésil, non, ouais, 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 comme ça. Nous tous ces haïtiens, nous tous ces fanatiques, plateforme, non, nous tous ces fanatiques, émission Mon éditorial avec Yannick, c'est pour nous, ma travail. Donc, pas inquiétez nous, c'est pas imposer, mais poser, nous sommes en question de temps, ok? Nous rectifier pour nous corriger ça, pas une question imposée et pas dire encore, m'pap content. M'gon l'autre annonce, mes amis, pour nous faire passer. Et faut que moi dis nous, Ronald Germain qui bam annonce ça pour me faire passer pour lui dit Jacqueline, c'est premier fanatique émission, c'est premier monde qui te prend le soin pour le reler après première émission m'était posté pour te dire Yannick m'apprécie travail là, m'aimer travail qu'a fait là, me voulait encourager travail là, pas jamais oublier ça. Eh bien annonce ça son annonce jusqu'à présent pour comment on va le faire passer son annonce qui voulait m'arrêter mais faut me faire le passer pour lui. Ronald Germain dit Jacqueline. Bon, même dit Jacqueline plutôt. Jacqueline gonzan mille l'a cherché. On zan mille depuis bien longtemps, li pa wèl. Dernière fois, elle te croisé avec zami sa. Yo te fâché parce que li te blié non zami. C'est une dame. Yo te croisé nan rue Nicolas. Jacqueline t'a rentré nan barrière 45 et dame nan t'a rentré nan barrière 47. Depuis l'heure, li pa jam tande dam nan, li pa jam gen information sou li, li te fâché parce que Jacqueline te blie nol. Donc ou même qui a regardé vidéo la, sou konnen ou se dam sa ou se zanmi sa, Jacqueline te croisé avec li nan rue Nicolas, ou t'a rentré nan barrière 47, tant pri sou ple rentré en contact avec direct nan numéro émission 3896-3819. Parce que depuis jour, bagay la domine Jacqueline, m'pa kache dou, et li kembe m'tait, li kembe m'sansouf pou m'fè message en passe pou li. Tant pri souple.
tant pris souple. Si c'est ou même qui dame ça, qui zami Jacqueline, rentrez en contact avec moi parce que Jacqueline, honnêtement, l'a souffri de absence ou l'a souffri parce que ou pas parler, li pas tando, li paro, etc. Donc, ou même qui connaît, c'est ou même qui moun Jacqueline, Jacqueline a cherché à tant pris, on le fait encore rentrer en contact avec moi. Nous prenons pas le pays là, nous prenons le débat rapide, vite, sans perdre de temps. Moi, du pays États-Unis, yo prend gros décision là, c'est saccager, yo saccager la police nationale d'Haïti. Moi-même depuis bien longtemps, moi-même j'ai toujours attendu que police nationale d'Haïti, hein, l'ait créé c'est vrai en 95, dans souci pour protéger et servir la population. Mais pas gagné que t'as pas dit nous que sécurité intérieure pays, protection chaque grand citoyen haïtien, décision pour l'État protéger vie mon ak bien mon dans la République. Li ta pral sous contrôle ambassade américaine. Li ta pral sous contrôle diplomate étranger. Li ta pral sous contrôle ou ambassadeur ou chargé d'affaires, etc. qui a imposé en Haïti, qui a imposé dans la République. Li ta pral saisi, li ta pral choqué. Le m'apprenne, le premier, l'ancien premier ministre Jean-Michel Lapin était dans tête et primature, était dans tête CSPN. Un ensemble de décisions que PNH t'a pris, un ensemble de décisions que primature t'a pris, il faut que moi dis nous. Et Jean-Michel Lapin c'était premier ministre sous Jovenel Moïse, sous administration Moïse. Ah bien qui s'acrivé. Mes amis, nous tout tendez, nous toujours attendez Abdou que tout contrôle, toute décision qu'a prend dans la République toujours gagné yon petit président, toujours gagné un chef en dedans ambassade américaine, soit c'est un chargé d'affaires, soit c'est ambassadeur ou bien ambassadrice qui kala qui pour décider. Dernier mot c'est lui-même qui gagne. Et nous comptons dire pile fois nous même payroll quelques unités spécialisées en dedans la police, c'est ambassade américaine qui pour faire. Malgré un pile froid, toujours doux, ambassade américaine, il vient en support, il peut être renfort, il y a une coopération qu'a faite pour aider dans la formation policière, il y a une coopération qu'a faite pour renforcer l'institution PNH, etc. Mais pour que ça, de manière honnête, il n'y a pas dit nous que, jodi, embargo zama munitions, que le gouvernement américain, sous prétexte que la communauté internationale qui mettait dans souci pour protéger et la police nationale d'Haïti, dans souci pour protéger l'État haïtien, pour éviter marché noir, pour éviter contrebande, c'est ça nous comme prétexte, mais il faut que nous tout en bas, les armes munitions qui ont été sous deux pays, là, c'est sous prétexte pour éviter marché noir, éviter contrebande. Mais honnêtement, si nous regardons, il y a mettre embargo sous PNH pour autorité ou pas qu'à commander des armes avec munitions pour PNH pour accompagner policiers ou pour bailler policiers aux moyens techniques moyens appropriés pour combattre grand banditisme qui est en Haïti yon l'autre bord la caille pa yo yon l'autre bord sous territoire pa yo pa gen aucun contrôle qui fait vraiment pour empêcher les armes munitions sorti dans pays pour rentrer en Haïti. N'a pas gardé son passoire douanier, son passoire. Zama avec balle rentre chaque jour. Zam conteneur, tout calibre rentre chaque jour en Haïti pour alimenter insécurité en plus, pour aller jouer un bandit. D'ailleurs, bandit au guetant pays, zamio, ces zamio yapton, ces munitions yapton, pour y faire guerre. Donc, je dis, hein, on nous cherche qu'on est réellement. Est-ce que l'ambassade américaine, soit disant pays ami d'Haïti, soit disant pays qui a supporté PNH, qui voulait mettre réforme en dedans la police, qui toujours voulait faire promotion pour un meilleur PNH, pour une meilleure institution, alors que c'est lui-même, je dis, qui a crasé, qui a dépatché l'institution la police. M'bral fort regarder une vidéo là. Côté ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, il a participé à une émission dans Télé 20. Ou pral choqué. Et c'est là moi même te prend choc pam nan, et c'est là tout pral prend choc pour là. L'on pral tande ça ancien premier ministre Lapin pral raconter. Nan moment il t'a intervenu dans émission si là. Regardez, ambassade américaine ça, d'autant nous pas autorité dans tête pays en dedans l'état qui ka campé. Face avec Nexar, pour dire que Haïti son pays indépendant. Haïti son pays, même avec tout pays. Question ingérence, il faut que vous suspendez avec elle. Question ingérence, il faut que vous finissez avec elle. Haïti pas besoin de l'arriver là.
Parce que haïtien aujourd'hui nous croyons dans miracle trop, nous croyons dans la manne trop, nous croyons nous mettons dans tête nous, c'est États-Unis, c'est la France, c'est Canada, c'est communauté internationale là qui pour venir mettre sécurité, c'est communauté internationale là qui pour venir réformer l'état, qui pour venir réformer institution yo, alors que tout mal n'a subi là, tout malheur ça on a vivant dedans pays là, yo contribué largement là-dedans. Toutes les armes qui sont sorties États-Unis rentrent en Haïti, c'est pas pour venir, c'est pas un gréo, c'est pas un gréo, c'est pas aider à aller des paysans, c'est pas pied banane yo al yo al engraisser, hein. Non, zam sa yo c'est la mort entraîné, zam sa yo c'est kidnapping nan yo intensifié, zam sa yo c'est criminalité yo augmenté. C'est grand banditisme nan yo favorisé. Jodi en noir sur blanc, faut nous admettre que en tant qu'haïtien, nous tout pas ka attendre ces blancs pour venir changer kidnapping pour nous, pour venir ba nous liberté pour nous circuler en dedans pays. Yo pas ka faire nous peur jodi en là que nous c'est haïtien, c'est nous même qui pour défendre pays nous. Sous prétexte chaque jour bala rentrer, ça tout faut moi dit nous. Son façon nèg yo a chercher pour yo dissuader haïtien lever campé oui. Chaque jour, la munition a rentré. Donc, maintenant, t'es tout. Ah, bagay, ça ne peut pas gérer, ne peut pas contrôler. Si je parle, il y a tout. Je dis un jeune qui ouvre bouche, qui choisit de parler, dans ce temps-là, vivant dans le pays. Il y a tout droit de marcher avec ce que vous avez bras. Bon, je vais faire nous tendre. Je vais faire nous tendre ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, qui lui-même est intervenu dans l'émission. Parce que je dis en l'âme, parce que la responsabilité de chaque haïtien, c'est comprendre est-ce que réellement nous avons fait pays si nous n'avons pas de contrôle de sécurité la caille. Est-ce que réellement c'est possible? En entendant ensemble ancien premier ministre Lapin qui tape plus de détails sur sa connaissance de l'ambassade américaine influence dans la police et qui obstacle, je dis en l'âme, l'ambassade américaine représentée pour sécurité nationale, représentée pour payer la chance dans son ensemble. On nous regarde. Ensemble, nous avons joué une solution. Et bon, c'est là où on va permettre, moi, peut-être, retourner sur un volet débat là, quand on dit que moi, j'étais ton premier ministre qui était à vous autres. De Jovenel Moïse. Donc, par rapport à proximité, nous. L'enrivé, non, ça veut dire que. Faut noter que un premier ministre doit avoir un problème avec un président, son action donnée, et discussion qui prend pile temps avec moi-même, avec le président, jusqu'à ce qu'il entende non son bagage, et il n'est pas obligé de sortir dans la rue. C'est beau les bagages. Mais en même temps, tout. Et avant ça, tu n'as pas obligé de trop péjoratif, tout, non? Non, nous toujours gagnons en pile. Son bar, moi, viens prendre en route, qui m'a essayé de corriger, donc, bon, gens pour te prendre. Mm-hmm. Donc, les problèmes, là, viennent poser. Et l'ambassadeur a dit, OK, non, il va le joindre. Et on va regarder qui j'en ai encore, au niveau international, puis au lever, embargo. Mais ce n'est pas un bar qui était officiel. Et il était levé avec des conditions. Là, il dit, moi, il y a des conditions. Okay. Et les conditions, yo, parmi lesquelles, c'était qui côté n'a pas acheté, c'est normal. Hein? Il identifié dans qui pays il va l'acheter. Et deuxièmement, qui j'en a rentré. Troisièmement, qui j'en a recevoir. Il était levé qui au présent qu'il a recevoir. Et quatrièmement, il était levé dans la structure de gestion. Et munitions. Vous devriez la donner? Oui. L'ambassade américaine devriez la donner? Oui, bon, vous connaissez une assistance technique qui a baillé la police. Ça veut dire que vous êtes dans la police. Mm-hmm. Donc, vous avez un représentant, il faut qu'il a contrôlé qui genre et munitions a utilisé. Oui. Donc, à ce moment-là. Les munitions n'ont pas retrouvé sur le marché noir? Voilà. Donc, et ça a été marché et nous avons commandé. Mm. Ça a été commandé à l'époque? Et nous avons commandé en pile et munitions. Okay. Et c'est ça qui a besoin, en pile munitions pour différents calibres, oui. Etc. Et parce que à l'époque, il y a un grand problème de munitions oui, et dans la police. Il y a des opérations, la police a amené dans la Tibonite. Les balles sont finies et puis ils sont sous feu et demi. C'est tout bagage qui était dévastateur. Voilà, c'est là ça, moi-même, j'ai convoqué le directeur de la police là parce que l'information est là que les bandits veulent la police courir. Et moi, je dis bon. Avant de prononcer, moi,
Bon, mal connaît ça qui passé avec le directeur de la police. Là. Le mrele, il dit. C'était Gédéon à l'époque. Gédéon, il dit, PM, bandit pas fait une cour. Nous replier parce que quantité de munitions que chaque monde a gagné, te permettre que vous sécurisez la tête pour vous replier. Bon, le plus stratégique, c'était bel français. Ouais. Mais il n'y a pas de camper goumé. Oui, non, vous dites nous acheter munitions, quoi d'autre? Vraiment, pour vous camper goumé. Non, il faut des munitions. Ah, mais voilà. Mais c'est ça. C'est ça, non, c'est même pas là, nous avons dit. Bref. Il n'y a pas de camper parce qu'il n'y a pas de munitions. Non. Donc, là, chaque nègre de 10-15 graines cartouches, ça vous le fait. Non, c'est plus bon bagage là qui a été fait. C'est protéger vie, oui. C'est fort parce que faut tourner. Et stratégie repliée, il ne faut pas elle, en face seulement, non? Oui. Tu avais dit que les bandits en face, et puis tu ne sont pas protégés d'eau, non? Tu ne pas contre ça qui dans l'eau. C'est une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mmh. Maintenant, vous dites, nous avons acheté munitions? Oui, nous avons acheté munitions, et puis donc, après ça, c'est blindé. Blindé jaune? Oui, c'est ce que nous devons acheter. Mais. Vous n'avez pas parlé pour blindé ça? Non, nous avons venir sur ce que tu parlé. Hein. Ok. Faut que tout le monde note. Ce n'est pas ni au niveau gouvernement, ni au niveau palais national, ni au niveau primature qui a décidé ce tel type de munitions qu'il a acheté. Qui a décidé ça? Non, mais c'est à partir de. Conditions de guerre avec l'ambassade américaine? Non, non. Canevas, indication, rapport, la police nationale. C'est la police qui a dit, mais qui type de voilà, munitions qu'il a acheté? Voilà, il a besoin de tel 34 touches, tel barrel, tel barrel, tel barrel. Ça, normal. C'est normal. C'est la police qui a compris les armes et qui munitions qu'il a besoin. Voilà. Maintenant, sous type de jaune, 6 mois après, puis il faut un type de jaune de tomber en panne. Et nous, un type de jaune, ça ne peut pas répondre à. Et exigence moment, pardon, puisque les policiers de Konandan a percé ce blindé jaune ça. Qui est-ce qui te recommandé nous à l'époque acheter ce blindé jaune ça? Qui aurait dans l'arrière ce blindé plastique? Et après nous même ça, Game de Doula, tout équipement qu'on doit acheter, c'est sous recommandation et spécialiste qui est dans la structure de sécurité. Est-ce que. Vous avez une généralité là, non, monsieur le Premier ministre. Oui. Et est-ce que. Et, au niveau ministère de la Justice. PM. Avec la. Il y a des gens qui ont été national qui ont recommandé pour t'acheter. Mon proche, Jovenel Moïse. Qui ont recommandé pour t'acheter ces blindés. Moi, je n'ai pas en mesure pour moi confirmer ça. Moi-même, moi, je suis venu rentrer dans le débat ça. C'est là où il est arrivé dans l'exécution de la commande. Ok. Le mandat de convoquer le ministre de la Justice là pour me connaître qui ça a fait. Parce qu'en tant que Premier ministre, le ça nous a parlé de un pile million de dollars qui va acheter l'équipement. Et le format qu'il a présenté, il me dit qu'il n'est pas d'accord avec. Qui pour le monde qui avait à l'époque? Moi, je comprends mal à l'époque que l'État décidait pour faire acquisition ou ensemble de matériel qui a coûté un montant qui était considérable à l'époque. Premier démarche là, c'était d'abord passé par Inoto, c'est passé par. Concessionnaire local. Concessionnaire local. Il te dit non, concessionnaire local, il n'y a pas vendre type de véhicule. Ça. Je dis, mais il n'y a commandé le bon. Comme réponse, il n'y a pas voulu commander. Mais je dis, dans le cas ça, si concessionnaire local, qui peut-être une indication légale d'acquisition type de matériel, il faut que nous allions directement vers le fournisseur de services. Donc, le ça, je ne suis pas d'accord que nous passions par un film. On soit des intermédiaires coutiers. Oh, ok. Donc, là. Tu es un petit chez mes cochis, tu voulais faire. Oui, on tient personne et non. On tient personne. On tient personne. On tient personne, dis un pourcentage. Oui, bon, je ne sais pas qui est le pourcentage. Non, on tient personne, ce n'est pas un média, ça ne lui est pas venu dans les services gratis. Bon, peut-être. Ce n'est pas social l'a fait. Donc, à ce moment-là, ça a été fait objet de discussion. Et il faut me dire que. Et le président Jovenel Moïse, c'est un président qui aimait qu'il convaincre positivement. Et là, ça, après 4 ou 5 ans de discussion, je convainc le président et positivement pour circuit d'achat. Et c'est ça qui est fait. C'est peut-être ça, là, peut-être quelques temps après,
moi entendé dans la presse et nèg k ap di que mais qui prix blindé ou mais combien cob et mon frère hein c'est pas vrai non OK mais maintenant et moi pas connais après si on nèg qui paye un billet d'avion calé joindre un fournisseur de services qui était à l'étranger pour dire nous c'est moi qui t'ai fait acheter qui a été choisi fournisseur ça et qui t'a dit ce type ça avait besoin c'était nous mêmes c'était vous même non pas moi là n'a parlé de on spécificité la présidence c'est moi donc des documents qui me joignent à travers ministère et justice et justice qui là lui-même qui c'est une structure qui là pour faire dépenses pour la police maintenant monde qui t'a venu choisir fournisseur là avec spécificité blindé ça ou pas connaît pas connaît pas connaît monde ça mais même ça qui me rassure c'est que paiement pas de aucun chèque qui sorti sur non un groupe monde son réseau social haïtienne n'ont été utilisé techniquement les circuits de la BRH côté que chèque la fait sous nom BRH et BRH lui-même voyait payer fournisseur de services là directement à l'étranger mais on connaît BRH qui a décaissé comme là avec monde qui a fait choix fournisseur là et spécificité véhicule yo grand pile bas il a passé et c'est pas BRH qui t'a décaissé comme là c'est ministère des finances bon t'as passé par BRH comme canal de paiement canal de paiement non pas de problème voilà mais on d'accord avec entre décaissé comme là et moun kap chose de fournisseur là et spécificité blindé yo grand pile bas il a passé m'pa dit non OK mais ça m'a dit que nèg la gon investissement qui fait au préalable faut que la loi fournisseur de services ça vol payer billet d'avion qui vient le recevoir ça m'pa connaît mais moi même ça qui était important pour moi c'est que étant donné que concessionnaire local yo pas tant mesure pour vendre nos équipements ça yo ou dit moi je commande le pour nous moi pas d'accord gagner un intermédiaire un courtier qui n'a mis entre l'état et côté n'a acheter. Et à l'époque, il y a un problème qui était déjà posé et qui posait encore aujourd'hui dans la police. C'est des malfrats, bandits, kidnappeurs qui utilisaient l'uniforme de la police pour faire kidnapping. Et ça mettait la police dans une situation de cap dit difficile par rapport à la population. Par exemple, on passe nos checkpoints là où les policiers campaient. Il y a une bonne main qui passe dans la tête. Est-ce que c'est vrai, policier? Vous comprenez la situation, ça, la population trouvée là. Oui. Et vous n'avez pas demandé, et surtout les syndicats qui sont dans la police, qui sont demandés par la suite, c'est pour changer l'uniforme de la police. Là. Est-ce que votre chef CSPN, ça t'a jamais évoqué? Oui, il y a un débat à chaque fois, à chaque CSPN, nous posons des problèmes là. Et la police a gagné comme responsabilité pour lui-même l'identifier. Et qui type d'uniforme n'a bien et pour qui type d'unité. Bon, malheureusement, que nous arrivons à l'époque que nous avons discuté ça, où vient gagner M. Gédéon qui vient pas directeur de la police encore. Et même bagaille qui toujours arrive dans toute l'autre institution, principe de continuité de l'État n'a pas respecté. Donc, qui fait, je dis à là, nous avons retrouvé dans la situation. Ça. Nous pensons sur nécessité? Et oui, son nécessité. Puis vous changez l'uniforme de la police. Oui. Parce que, il y a un problème qui m'a dit, monsieur, ou il y a des groupes de policiers qui ont tout uniforme. Je regarde les policiers, mais ils ont tout uniforme à la caille, comme policiers. Ça veut dire, l'élève est en bleu et crème. Les gars mettent en bleu crème, l'élève les mettent en SWAT, les gars mettent en SWAT, etc. C'est des ordres d'abord dans la police là pour nous résoudre question. D'accord? Donc c'est là. Britsoukou, pendant qu'on a discuté avec Jovenel Moïse, on se souligne ça dans le commencement de l'émission. 6 juillet, on a regardé comment on est capable de monter un gouvernement avec Ariel Henry. Bah ou après un assassinat, ça c'est Claude Joseph qui était premier ministre AI. Oui. Bah ou après un assassinat président Jovenel Moïse. Qui choc ça t'a fait ça? Bon, et d'abord son choc qui est tout humain capable de ressentir. Même le, qui ne sait pas où monde qui est habitué avec, qui travaille avec, ou bien qui préoccupe, qui s'arrive en tant qu'humain ressenti. Donc, moi-même, j'ai 10 fois, 15 fois, 20 fois plus. Jusqu'à présent, on a demandé
Et pour qui ça que nous arrivons là? Est-ce que si bataille est une bataille et politique liée, pour qui ça vient mourir là-dedans? Hein? Et bon, dans la pratique, bien que vous étiez ici un an avant et fait un coup d'État, dit niveau Tibois, etc. Il dit c'est vrai, il dit c'est pas vrai. Donc, il y a un doute qui était. Mais ça arrive après, ça montre que, effectivement, il y a une préparation pour qu'il fasse un coup d'État. Il dit que, effectivement, ça a fait là, un coup d'État, qu'il dit, mais côté mourir a sorti et à qui il est mourir a venu là-dedans. Donc, moi toujours éviter. Et parler de ça parce que son dossier qui est au niveau de la justice de toute façon et en situation pays a venir là en situation la justice venir là et pas gagner possibilité pour gagner un jugement de ça qui passé là mais il est maintenant 5 ans dans 10 ans 15 parce que nous avons une responsabilité pour nous reconstruire le pays, parce que c'est dans la guerre que nous sommes. Nous avons connu pour nous arriver pour le finir, et le ça. Justice a fait. Mais ouais. Est-ce que vous d'accord, M. Lapin, assassinat président, Lévinet tout, à travers une défaillance de tout système de renseignement et de sécurité pays a gagné. Puisque prématuré, un service de renseignement, la police gagné, la présidence gagné, ministère intérieur gagné, ministère et justice gagné. Il n'y a pas de pas tout ça. Là, oui, lecture là, les vrai, mais faut noter. Là, on a parlé de renseignement. Ça veut dire que son bagage qui m'a dit profession et métier. Jodia là, non pas qu'à parler d'un service de renseignement, c'est un petit cousin, une petite cousine, c'est un 16, un bon ami qui la donne. Hein? Son bagay, il faut gagner en pile méthode là-dedans. Il y a un premier bagay qui est déterminant dans affaires renseignement, c'est l'agent de renseignement. Qui pas doué un personnage identifiable ou identifié. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Un monde qui est dans renseignement ou même qui pas dans structure ensemble avec lui. L'argent de renseignement. Ok, il n'y a pas de connu, il n'y a pas de secret. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour non, lors de l'argent, c'était quoi qui a de renseignement? L'argent. Oui, oui, oui. L'individu. Okay. Oui, l'individu. Donc, c'est ça. Mais quand on a regardé, on devait arriver dans la dynamique au niveau ministère intérieur, côté qu'on gagne des agents de renseignement. Quand on a un gros signaux dans la tête, un casquette. Un gros badjo, les arrivées. Non, ils ont fouillé police et badja yo rale. Non. Premier bagay, il faut agent renseignement ça connaît que li même gens avec tout l'autre citoyen li doit soumettre li à l'autre public. Avec dou joine non patrouille, yo mandé ou identifier ou fait pour identifier. Ça arrive. En tant que citoyen lambda. Oui, ça arrive Jean-Michel Lapin. Qui c'est premier ministre en fonction à l'époque, qui a quitté le palais national pour contrer dans une machine qui n'est pas de machine premier ministre, qui est mettez pour premier ministre. Il est arrivé dans le Cafoutifou, il a gagné une brigade qui a fait fouille, il a demandé. Ouvert porte machine là, li ouvert li. Tu pas identifié. Non. Yo mande le permis et papier machine. Jean-Michel là ben bay permis et papier machine, c'est à ce moment dans permis agent rendre compte que c'est ça avec chef CSP n'en a parlé. Voilà. Donc vous faites tout le monde fait pour répondre. Oui. Et c'est ça t'est arrivé bien avant que moi-même moi t'ai lancé un message public. Le Youtab dit que y a des bandits, c'est dans la machine privée, c'est dans la machine officielle qui a sorti, et me dit la police, et me dit le public, dans la zone d'opération la police, toute plaque officielle tombée. Toute tombe. Plaque tombée. Officielle tombée. Bon, là nous sommes tendés. Nous sommes tendés,
ancien premier ministre qui était chef CSPN, qui d'où toute péripétie, toute calvelle montée en dedans police nationale là avec monsieur Damzao qui dans l'ambassade américaine. Donc là déjà comprendre n'a fait toute bagaille sauf pays. Et pourquoi j'aime mon autorité passer pour camper, pour kembe batalon dans taio devant exil. Tout ça nous passe, son paquet et nèg tête baissée, son paquet si sous, nèg qui pas ka garder blanc danger, qui pas ka défendre intérêt pays. Donc n'a comprendre si insécurité en pas résoudre, si problème grande criminalité ça pas résoudre, problème bandit, problème kidnapping non, c'est parce que nèg yo utiliser forme ça yo, yo utiliser toute bagaille ça yo comme façon pour yo créer une certaine terreur dans la République pour yo faire peur. Peur pour qui ça pour yo ka contrôler parce que depuis nèg la ka fait peur, li ka contrôler. La peur c'est en prison forme d'emprise nèg la chercher, li mette dans entourage ou li mette parce que jodi an la quitter la caillou d'ou pral prendre la rue an, à qui intention? À qui intention? Parce qu'on pa gen comme ou pa gen comme rançon an la, ou toujours peur pour nèg kidnapper ou toujours peur pour nèg attaquer ou a vivre dans un pays côté que ou pas ka manger, on ti chercher pain jodi an. Première fois ou pain quotidien oui. 125 goudon chache pain. Première fois dans l'histoire. Ma parle de pain maquette, si pain douce, si pain tranché. Non, ma parle de pain de base. Pain wal nan boulanger, man de acheter a. Ki ka gen 10 grain nan. Ki ka gen 15 grain nan. 125 goudon chache pain. 125 goud koun ya ou sa son pays. Produit pour mes nécessités, monte tête neg ou pas jamais moi peuple mobilisé pour le prendre la rue, pour le fouler béton, pour le revendiquer. Meilleures conditions de vie. Pour qui ça? Parce que vous créez une psychose de peur, vous mettez un terreur à terre là pour vous contrôler la population, pour vous contrôler le peuple. Nous prenons un piège. C'est pas seulement un piège que Ariel Henry mettait avec le gouvernement là, non? Son piège que même communauté internationale, même États-Unis, instrumentalise les nègres comme autorité, instrumentalise forme de politique grené pointe Ariel a fait là. Modèle politique Vatnez Ariel a fait là, nèg yo instrumentaliser politiciens nou gen la yo, nan intérêt yo, nan propre intérêt yo, sinon, pour qui ça problème zam nan, trafic zam nan pa ka résoudre. Pour qui ça pa ka résoudre. On nou prend ti pause mon regard, m'a retourner avec dossier zam qui impliqué et pays États-Unis, zam illégal qui rentre en Haïti parce que mandou l'État américain prend position. Donc, il est extrêmement important pour connait qui ça yo décider dans cadre dossier si là. Gebon, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverneux pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détiré nan longueur ak nan largeur. Nous toujours tande ou tout 25% yo. Tout 25% yo. On dirait que c'est l'haïtien 20 pa yo même ça k'ap couler là-dedans là, c'est pas sans haïtien. Ou nèg yo, ouais monsieur dame ça yo pas sensible pou pays yo. Nous gon paquet autorité sans coucha, yo pas sensible pou Haïti. Haïtien pas sensible pou pays, il pa gen aucun attachement. Jodi an la nan quatre dossiers trafic zam qui implique l'état américain parce que zam yo cargaison yo c'est la caillou yo sorti conteneur yo c'est la caillou yo sorti c'est nan bateau qui saute États-Unis yo vini yo rentre en Haïti avec li pendant semaine qui sont passé à la gen plusieurs saisies qui fait nan douane port de paix gagnent qui fait et qui question cargaison zam qui implique l'église épiscopale d'Haïti yo saisi nan douane Port-au-Prince. Tout bagage ça sorti en seul côté États-Unis rentré en Haïti. Mais question puis mon a posé yo et alors que États-Unis alors que BINU alors que communauté internationale dans son ensemble yo dou yo gen bonne volonté pour yo aider rétablir la paix avec sécurité en dedans pays yo joignons entente en différents protagonistes yo pour gagner un minimum de stabilité en Haïti. Mais n'action qu'a posé yo ouais c'est le contraire qui fait. Yo bon parole mais action yo différent. Pour qui ça? Parce que jodi an la, qui position gouvernement américain, qui position l'état américain gagne dans question trafic d'armes, munitions qui a rentré en Haïti, c'est le fait que
la caillou pas vraiment gon contrôle sous question acheter zam, pas vraiment gon contrôle qui gagne sous question moun kap pote zam, moun kap achete munition. C'est légal aux États-Unis. Maintenant, on fait connait que à moins que moun nan te gagne yon surveillance sous li, moun nan te gagne yon alerte sous li, pas bon côté département sécurité américain, le ça yo ka mette des dispositions, yo ka prend des yo ka prend des mesures contre moun si la, si toutefois li ta impliqué nan voye nan fait trafic zam, nan voye zam à l'extérieur, acheter zam aux États-Unis pour voye dans l'autre pays. Après ça, États-Unis pa gagné pour la veiller est-ce que zam a passé dans avion, est-ce que zam a passé sous l'an mer, li pa gagné pour le veiller bagay comme ça pour aucun pays. Seul ça le connaît li même li placé pour le faire, c'est si moun nan gagné démêlé avec département sécurité aux États-Unis, moun sa son quatre marqué, moun sa vont alerte rouge sous li, le sa yo même y a prend toute disposition nécessaire yo pour yo veiller moun sa. C'est pas veiller si moun sa voye zam de yo alvan, mais c'est veiller moun sa parce que li gen démêlé avec la justice américaine. À part de ça, responsabilité c'est pour tout pays contrôler frontière yo. C'est pour tout pays contrôler port yo, contrôler douane yo. Maintenant, si États-Unis, c'est comme ça le fait politique dans la Kaili, on y a arrêté avec l'État haïtien pour prendre disposition nécessaire. Disposition nécessaire, c'est qui ça, mes amis? Disposition nécessaire, ou gagner plusieurs ports maritimes dans le pays. C'est garder dans qui mesure ou ka équiper pour ça yo ou mettre scanner là-dedans parce que je dis en nèg yo gen toute tactique yo utilisé yo voye machine en dans machine nan yo démonter zam yo pièce par pièce yo mette dans tout petit trou fourré dans caoutchouc fourré dans jante etc. Yo comme toute pratique ça yo préférer rester non logique pour yo ka fait temps passé parce que yo connaît en dedans l'état gon paquet mafia qui impliqué dans trafic d'armes avec munitions hein? Donc yo arrangé yo là y a fait yo préférer mettre 10 agents douaniers 20 agents douaniers départir bagaille moun fouiller bagaille moun au lieu que yo prend disposition qui plus facile mettez scanner aller dans douane pour prendre mettez scanner aller miragouane mettez dans port de paix mettez dans semak etc. mettez dans cap haïtien yo pas fait li. Yo pas faire parce que en dedans même institution yo là gagne nèg k manigancé avec présumé trafiquant gagne nèg qui déjà paré qui te gétan prend l'argent dans mes présumé trafiquant yo donc li pi bon pour États-Unis leur zam ap sorti comme ça la caille parce que commerce armement la caille États-Unis c'est des milliards de dollars li représenté donc il a fait zam il a fait zam zam za c'est pas la vous li vin changer au contraire zam ça c'est détruire vin détruire moun. Ou di ou pare pour aider Haïti, ou di ou pare pour aider autorité ou prendre bonne décision pour couper phénomène insécurité. Hein? Et pourtant, c'est le contraire qui fait. Et puis, c'est même autorité haïtienne, c'est même Ariel Henry, c'est même nèg sa ou kap dou les pays amis d'Haïti. Yo remè Haïti, yo ses amis Haïti, yo toujours campé pour défendre Haïti. Mais là, pas yon défendre intérêt pays, non? Là, au contraire. C'est arrête moi chaque grand haïtien nèg yo siyen là. Gade, mbraldo. Sou kwè nèg ici, yo pare pou yo défendre intérêt vrai, yo pare pou yo défendre condition la vous vrai. An nou gade. Gen dossier zam qui implique l'église épiscopale d'Haïti a. Faut moi di nou préalablement. Dès le départ, chaque moun yo accusé le gen droit pour le gen avocat. Mais l'on prend situation M. Samuel Madistin. M. Samuel Madistin lise représentant yon nan mob fondation FJKL yo. Yo tout ta prédige rapport sou violation loi moun. Yo toujou a prédige rapport sou massacre, sou assassinat ki genye. Yo toujou a prédige rapport sou passivité autorité l'État yo genye. Jodi an se même Maître Samuel Madistin sa qui a pour représenter l'église épiscopale d'Haïti nan question trafic d'armes ak munition. C'est vrai que l'église épiscopale d'Haïti li gen droit pour gen avocat. Mais kounya est-ce que pas gen certaine bon est-ce que nous quand même parler d'incompatibilité n'a plus metel non conflit d'intérêt parce qu'on pas ka di moi défendre droit moun alors que zam yo pas vini pour changer condition la vie moun zam yo vini pour touyer moun détruire moun zam ça c'est bandi yo prajoine dans quartier populaire pour faire massacre c'est bandi yo prajoine pour faire kidnapping pour faire assassinat pour faire viol sur moun etc. N'a pas défendre droit moun et puis n'a pas défendre moun qui impliqué dans trafic zam n'a pas défendre moun qui impliqué dans trafic munitions dans pays
Là, il y a une incompatibilité. Là, il y a un conflit d'intérêts. Donc, je dis, après tout ça qui motive nèg ak femme de la République, son question l'argent, c'est question intérêt, c'est question pouvoir. Mais ce n'est pas question changer condition de vie. Ce n'est pas question défendre moun vraiment. Jodi an, si yon tap défendre droit moun, comment faire pour acheter un t-shirt cher 25 goud? C'est absurde. C'est grave. C'est grave. Là, nous, en 2021, yon te dou genye près de 2,5 millions haïtiens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Extrême pauvreté, c'est les gens qui ne peuvent même manger un pain. Les gens qui ont pleuré sans manger, dormi sans manger, relevé sans manger, redormi sans manger. Je dis, on a gardé l'inflation qui gagne. On a gardé le prix de sac farine. On a gardé le prix de chaché pain. On a gardé le prix de spaghetti. Ce n'est pas 2,5 millions de gens, non? Ce n'est pas 2,5 millions de gens. Quand tu te moun, 7,5 millions moun an vivent dans le chômage. Jodi an la, si ap chiffre, li pas 7,5 millions moun encore. Parce que ou ka bouke gen 100 dollars, ou ka bouke gen 20 000 goud nan moun. 20 000 goud za, li pa ka entretenu famille ou. Alors que neg ap touche 50 000 dollars américains pour défendre moun ki implique nan question trafic zam, pour défendre moun ki implique nan trafic munitions de la République. Est-ce que c'est pas malhonnête sur malhonnête? C'est toujours même catégorie moun yo. C'est toujours même catégorie moun sa yo qui fait parler de yo, qui dou yo là pour défendre droit moun, ou pas ka manger, pas ka travailler, ou pas ka sorti. Et pourtant c'est yo même qui défend moun qui implique nan mette bandi sou moun, nan bay bandi moyen, nan financer bandi pour mettre problème de la République. Est-ce que nous ka fè nèg sa yo confiance? Nou pa ka fè nèg sa yo confiance. N'ap gade secrétaire général ba ou bon président qui impliquait et dans question trafic d'influence parce que lycée avocat youn nan moun ki ont été arrêté dans dossier dou et dans dossier zam nan port de paix en tant que conseiller ministre Bertrand Dorsey automatiquement ont utilisé téléphone pour dire pral rele commissaire Vigile pour mander commissaire pour libérer moun pour longtemps c'est trafic d'influence cité même lorsque avocat avant tout oui. Même leur était avocat, malgré que je le conseille, oui. C'est toujours question de trafic d'influence. Parce que la procédure, c'est dans le tribunal, ça fait. La procédure, il n'y a pas fait dans le téléphone. Dès que vous avez dans le téléphone, avant, on dit c'est maître Robinson, ou dit ou c'est conseiller. En ma qualité de conseiller de l'actuel ministre, c'est ça, on dit. Pour faire sentir statut, pour faire sentir influence ou gagner. Donc là, on dit c'est trafic d'influence, c'est normal. Et Robinson li non baro, donc c'est tout normal pour baro amende libération, etc. Mais je dis, il faut que nous suspendons, encourager délinquance. Il faut que nous suspendons, encourager comportement ça, comportement suspicieux ça. Nèg la mon comportement qui sujet à doute, donc c'est normal pour nous interroger nous sur comportement. Donc son dossier n'a pas suivi de très près. Son dossier n'a pas suivi de très près parce qu'il y a une évolution quand même dans le jour qui est venu là. Il y a une évolution. Maintenant, dans le dossier Canada. Mandou, Premier ministre Ariel Henry, avec pays Canada, a soufflé tes peuples haïtiens, a soufflé l'État haïtien. Pour qui ça? Nous songeons, moi passé à la information qui t'a bail et comme quoi l'État haïtien te disposé 12 millions de dollars américains pour te acheter et matériel, équipement pour acheter char blindé, drone pour acheter équipement protection individuelle pour policiers yo, pour acheter plus d'armes, plus balles pour permettre à policiers, pour permettre à institution la police, pour avoir plus moyens à la disposition yo, pour contrecarrer phénomène banditisme, pour aller battre avec gang, pour aller battre avec bandit. Eh bien, information qui arrive joindre nous c'est que même pays Canada ça parce que c'est au Canada c'est une entreprise canadienne qui t'a pral vendre PNH et matériel yo eh bien jodi en pays Canada mandé la police nationale d'Haïti pour yo ba yo pour yo fourni yo un document qui pral justifier qui nécessité qui gagné pour la police nationale d'Haïti pour l'état haïtien commander 12 millions de dollars pour commander 12 millions de dollars matériel zam équipement etc. Na vivre dans une situation côté que bandi a mette moun dehors la caillou, bandi a kidnappé petite malheureux et malheureuse, c'est pas tendé, c'est pas nouvelle yo pas arrivé. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, réunion sont faite tout récemment là pour renouveler mandat Madame Lalim, pour renouveler mandat Binu,
parce que des crises en dedans pays, bandits a terrorisé population. C'était même Canada, c'était même États-Unis, c'était même la Chine, c'était même la Russie, c'était même pays ça qui était chita ensemble. Et puis qu'on y a demandé pour l'État haïtien, pour la police nationale, justifier qui ça a gagné, qui motivation a gagné, qui fait au besoin commander 12 millions de dollars matériels pour la police nationale d'Haïti. Est-ce que c'est pas lancé à prendre avec les Haïtiens? Est-ce que réellement là où un ex a gagné volonté pour résoudre phénomène insécurité, pour quitter autorité dans le pays nous, pour quitter institution de la police, pour prendre responsabilité, pour couper phénomène insécurité? Bon, en fait, on regarde l'ambassade Canada dans les 75 ans là. Mais et forme, il y a tout feedback yo. Dans l'ambassade Canada, il y a un paquet haïtien qui travaille là-dedans. Un paquet haïtien, le pays chaud pas capable travailler. Le pays chaud ambassade fermé. Le gain zak banditisme qu'a fait dans la rue, yo prend disposition, yo dit employé pas venir travailler. Donc yo au courant même j'ai avec moi, yo au courant même j'ai avoir que Haïti gain insécurité, que Haïti gain gang, que Haïti gain violence criminelle qu'a fait là-dedans chaque jour matin midi soir. Donc est-ce que c'est pas maniguet nèg yo pour yo pas fou ni PNH à matériel yo, parce que nous connaissons des dispositions qui prend pas bon côté et l'État américain, pas bon côté gouvernement américain, puis on met des restrictions sous armes avec munitions que la police a acheté, puisque yon pas passé par bon côté États-Unis, yon pas passé par bon côté ambassade américaine, yon a choisi bon côté nous. Yon a choisi bon côté nous. Donc je dis à papa ici, m'vle au calé jour, hein. M'vle au calé jour pour connaître que chaque matin nous pas kavin là pour nous parler de même bagaille. Politique, politique sale qu'a fait. Politique boycottage qu'a fait jeunesse. Je dis on préfère nous motiver jeunesse parce que nous avons une jeunesse qui démotivé, nous avons une jeunesse qui pas quoi dans l'avenir pays. Aujourd'hui supposons Haïti en question, Haïti reste Haïti ou bien courir quitter Haïti, qui ça le plutôt là dou oh c'est comme li bagain qui fait pour quitter Haïti, c'est comme li bagain qui fait pour quitter Haïti, parce que je dis toutes conditions réunies pour quitter pays ou quitter pays ou yo même y a rentrer sur vous. Haïtien qui te paye, il y a une organisation qui a rentré, organisation américaine, États-Unis a voyé et représentant, agence interaméricaine a voyé représentant en Haïti, mais ils même créé toutes conditions pour quitter pays. Donc je dis là, sous pas ou nécessité pour défendre Haïti ou pas pour elle encore. Sous pas comprendre que je dis là, combat pour défendre Haïti en son combat qui juste, ou pas comprendre encore. Toutes conditions réunies pour détruire Haïti, pour détruire, bon, pour détruire Haïtien, c'est pas Haïti parce que y a besoin de bouteille. Pour détruire Haïtien. Mais là, un moment arrivé pour nous prendre conscience, et c'est une conscience collective qu'il nous faut. Pour moi, moi-même seulement, cap conscience isolant, n'y pas suffit pour comprendre que aujourd'hui là, ça cap passer Haïtien, n'y besoin, Haïti besoin chaque grain petite, Haïti besoin chaque grain citoyen. Mfel, Foucault Fel, Esdras Fel, Wendy Fel, Infoberto Fel, on pas quatre l'autre Fel. Mais est-ce que nous-mêmes seulement, chaque matin, nous venons parler de politique, nous venons parler de qui décision qui prend, est-ce que nous-mêmes, nous prenons conscience? Parce que nous-mêmes seuls, nous pas qu'à aller chercher conscience à bourrer dans tête tout. C'est nous-mêmes qui pour prendre conscience pour dire que bon travail qui doit faire, bon déclic qui doit être fait dans nous-mêmes. Et puis, pour battre pour pays, pour apprendre à défendre l'intérêt pays. Et pour finir, faut que je dise non. Je dis en la, il n'y a pas qu'à haïtien qui sont plus à l'aise, yo plus confortable des téléphones, pour juger, pour critiquer les tout le monde sa ou nous, qui choisit de mettre pied dans la bataille pour Haïti, pour pays, son risque prend. Parce que dès que vous choisissez de parler de Haïti, vous tout droit de marcher à ce que vous avez besoin. Ah, vous mourrez déjà, vous vous sentez. Hein? C'est ça que vous dites. Donc, je dis en la, il y a des gens qui choisissent de canaliser. Quand vous avez récemment, je vous ai mis un commentaire et un monde qui a écrit, il fait connaître que M. Jovenel Lise, parce que et tout massacre Jovenel te fait, yo, et bateau de Mofeu Doval mourir, Diego, Neti, etc. On pas parler de ça, on pas jamais dit rien, ou c'est de papa me Jovenel m'a parlé. Mais comme dit nous, jodi an là, nous dans situation côté que nous gon pays qui fin de pas fini. Il n'est plus question de Jovenel Moïse. Jodi an là, nous dans société côté que la justice fini, nous dans société côté que autorité ou acteur yo pas prend responsabilité yo, et même peuple fuit responsabilité. Nous avons l'impression que nous avons ta propre tête li oublié dans chercher défendre moun. Oui, tu as un assassinat qui t'est fait. Oui, tu as un massacre qui t'est fait.
c'est responsabilité la justice, c'est responsabilité la police, chercher des délinquants, marier criminel, etc. Et à l'époque, puisque président Jovenel Moïse, comme chef d'État, etc., c'est lui-même qui garde un bon marché institution, t'es bon à les oreilles, t'es doué bon souquet, quoi qui t'es fait. Et puisque vous regardez l'assassinat bâtonnier Montferré d'Orval, là, n'en pèlerin, puisque pas de aucune disposition qui te prend ni par bon côté la police, ni par bon côté la justice, c'est une brèche qui t'est ouvri pour après pour assassiner Jovenel Moïse. Donc tout ça, il faut que vous compreniez, il faut que vous analysez. C'est pas arrêter de un téléphone douce Jovenel Moïse, c'est pas arrêter de un téléphone douce opposition à défendre André Michel Nenel Kassi. Jodi en la cause haïtienne dépasse largement quitte Jovenel Moïse, quitte opposition, quitte Montana, quitte peine. Défendre nèg sa yo depuis bien longtemps gen moun k'ap défendre nèg sa yo, yo pa itil yon merde. Gade côté pays en rete. Choisi un camp pa itil pays en merde. Seul camp pou choisi jodi a ka retire non sa yo, c'est Haïti. Choisi défendre pays yo. Donc si c'est une opinion te vle met ou te ka écrit mande une opinion vle passer s'il valable si me juger que ça va dire c'est pas diffamation bra vin fait etc., ou t'as toujours ka parler mais question pour penser ka canaliser travail mon ka canaliser et opinion etc., non li pa jamais fait li pa jamais fait. Donc m'a dit un grand merci pour ce côté choisir et connecté avec plateforme là, rendez-vous à le casser demain sur même chaîne dans même l'heure. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix, rien n'est pas changé. Et toujours met ton seul bagage dans tête. Cause haïtienne, son cause qui juste. Défendre pays, son cause qui juste. Et bataille, là, il n'y a pas camper dans la route. Merci tout le monde. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel.